Nous avons avec nous aujourd'hui le grand chanteur de la soirée, Hicham Sijil Massi. Donc on voulait savoir comment s'est passé pour vous cette magnifique soirée. La soirée est alhamdoulilah bien, quand je vois, quand il y a quand il y a la soirée est qui m'a pris, nous avons alhamdoulilah. ناس كيعاش كيعشقوا الاغنيه المغربيه الحمد لله. المهم لقيت الهدف ديالي قربت نوصل ليه, بديت نبدا نقرر نوصل للهدف ديالي. Et pensez-vous encore faire d'autres événements comme aujourd'hui? En tout cas, c'est un commencement. Je viens de commencer parce que normalement c'est un message à transmettre à la communauté marocaine qui sont nés ici au en Belgique. خصنا نوصلوا الرسالة ديالنا لهذوك الوليدات الصغار لي جون اي تو سينون لا شونسون ماروكان غادي 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 تمشي غير ما تبقاش ما غاديش اللهم حنايا خدينا لو فلومبو اي لو رولي باش نبقاو حنا ديما اون كونتينياسيون افيك لا شونسون ماروكان غتبقى لا شونسون ماروكان هنا في بلجيكا ان شاء الله باذن الله. Donc nous avons avec nous aujourd'hui le chef d'orchestre, M. Younes. Donc on voulait savoir, qu'en pensez-vous de votre groupe de l'orchestre d'aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, on a été à la hauteur de l'attente du public. En fait, nous, on essaie de donner ce qu'on aime et de le faire avec un peu d'amour, et en espérant que le public l'apprécie. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai vu que le public était enthousiaste, ça fait plaisir. Et s'il y a d'autres événements comme aujourd'hui soir, est-ce que vous serez partant avec votre équipe ou pas? Bien sûr, toujours partant. Même s'il n'y a pas mon équipe, toujours partant, hein, bien sûr. Et l'idée en fait de revivre toutes ces chansons marocaines, quelle est votre émotion? Moi personnellement, je n'ai pas connu cette musique-là parce que je suis né ici et j'ai grandi avec les musiques d'ici, mais c'est... Après la rencontre avec Hicham, le chanteur, on a parlé un peu. Il m'a dit pourquoi on ne ferait pas ce genre de répertoire. Donc j'ai dû apprendre, écouter, apprendre, et fini par aimer. Et ça vous, donc du coup aujourd'hui c'est votre passion, on va dire à peu près. Oui, mais oui. Moi, je fais la musique plus Umkelto, mais le classique, mais la musique marocaine, j'ai commencé avec Hicham. Et ça va, fini. Donc bonsoir Fouad, nous voulons savoir qu'en pensez-vous de l'événement d'aujourd'hui, donc à cet hommage de la musique marocaine? Ah ben franchement, c'était une très belle soirée, très agréable, et ce qui est dommage chez moi, c'est que je ne maîtrise pas du tout l'arabe. Mais la musique nous emporte, c'est un petit peu comme parfois quand on prie, il y a le rochon, il y a le Coran, des fois ça nous emporte comme ça. Ben effectivement, la musique d'aujourd'hui, c'était agréable, on voit les violons derrière et on montre la culture marocaine. Parce que voilà, le problème c'est que même la communauté dans laquelle on vit ici, la communauté belgo-belge, ils ont l'impression que les Marocains ils font que du rap. Tu vois, alors qu'en réalité, on est dans tous les domaines. On a des violonistes, on a des accordéonistes, on a des pianistes. On a vraiment, dans la culture, est tellement riche la communauté marocaine, mais on ne la voit pas, on ne la met pas en avant. Et aujourd'hui, soirée comme aujourd'hui, ça permet de mettre en avant ou en lumière ce qui existe déjà et qui existe depuis des centaines d'années. Sauf que malheureusement, on se concentre effectivement sur certains petits rappeurs qui sont sympathiques et souvent qui viennent de certains quartiers en disant on est que la police, faut arrêter avec ça. Il y a d'autres messages à passer que la police, quoi. Voilà. Merci. Que nous avons aujourd'hui avec nous la sénatrice Nadia El Yousfi. Donc, pouvez-vous nous dire un petit peu à propos de la soirée d'aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Ah ben d'abord, bonjour à tout le monde. Cette soirée, c'est pas difficile. Moi, pour moi, ça me rappelle des tas de souvenirs d'enfance. Moi, je suis née au Maroc, je suis venue petite ici. Et c'est vrai qu'on connaît très peu de choses sur la musique de qualité marocaine et tout. Et je trouve justement, grâce à Si Hicham, Si Youssef et leur groupe,
Ça permet justement de montrer vraiment cette musique classique marocaine de qualité. Non pas que les autres ne sont pas de qualité, mais c'est vraiment, c'est vrai, on a souvent ici un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à part Chaabi, le folklore. Ça, c'est très bien, on adore. Mais ça, au moins, on montre vraiment qu'au niveau de la culture marocaine, de la musique marocaine, il y a vraiment un classique marocain que moi, j'ai connu petite. D'abord, c'est avec émotion aussi qu'aujourd'hui, j'ai pu en plus assister dans ma commune, en plus à Forêt. Donc là, vraiment, ça permet vraiment de montrer tout à fait autre chose et vraiment la pluralité de la musique marocaine et sa qualité. Donc nous avons avec nous Ahmed El Maslouhi. Donc ça m'a comme on voulait savoir, qu'en pensez-vous de cette magnifique soirée? Je suis très content. D'abord, je félicite les organisateurs pour l'organisation de cette soirée. La soirée qu'ils ont voulu mettre à l'honneur la chanson marocaine. Moi, en tout cas, je suis né au Maroc. Et même ça fait maintenant presque 30 ans que je suis en Belgique. Mais... avec cette soirée et les chansons qu'on les a écoutées, ils m'ont fait revenir vraiment dans les années de mon enfance, ou vraiment dans les années 60 avec ou les années 70, où on sait que, comme vous le savez, que la chanson marocaine, elle a quand même vraiment une grande histoire, et que ce qu'on a écouté tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Vraiment, j'insiste à remercier les organisateurs par rapport à l'organisation de cette soirée et mettre à l'honneur la chanson marocaine. Un, par rapport, nous, on va dire, les anciens. Deux, par rapport à nos jeunes. C'est très important. De mettre à l'honneur la culture d'origine, qui est notre culture, la culture marocaine, notre culture marocaine. Et de par la musique, envoyer des messages de paix, de tolérance, pour essayer de favoriser le vivre ensemble, que c'est pas toujours le cas. On vit dans une situation difficile actuellement en Belgique et qu'il faut des activités, il faut des initiatives comme l'initiative d'aujourd'hui pour essayer de faire passer le message qu'il n'y a pas, comme ça a été dit tout à l'heure par mon ami Fouad, qu'il n'y a pas seulement le rap ou autre, mais il y a la musique marocaine où là il y a les chansons les chansons marocaines sont des chansons qui font passer un message de paix et de tolérance. Nous avons aujourd'hui avec nous un artiste, donc Mourad Lamarty. On voulait savoir que faites-vous aujourd'hui ici, qu'est-ce que vous avez fait et qu'en pensez-vous de la soirée? Aujourd'hui, en fait, la soirée, vraiment, c'est une belle réussite, une bonne soirée. On s'est bien amusé avec M. Hicham Sijlmassi, qui rend toujours hommage à la chanson traditionnelle marocaine, en fait, la chanson authentique marocaine. Et en tant que comédien, j'aurais voulu en fait participer à cette soirée. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et est-ce que les chansons, vous avez entendu les chansons marocaines qui ont été défilées aujourd'hui? Oui, bien sûr, et je les connais, pas par cœur, mais je connais ces chansons-là, on a grandi avec, c'est des chansons qui, de la belle époque, quand on était encore gamin ou étudiant et ça, mais c'est vraiment des chansons qu'on connaît, qu'on a grandi avec. Et donc il y a des chansons qui vous ont bercé votre enfance? Bien sûr, en fait des chansons à l'époque de l'adolescence, des chansons d'amour... Et c'est pour cela, en fait. Donc nous avons avec nous M. Selem Ktibi. Donc nous voulons savoir, qu'en pensez-vous de la soirée d'aujourd'hui? C'est une magnifique soirée. Je suis très, très, très heureux. Je dis trois fois très, hein, d'être là ce soir pour assister à une soirée magnifique. Une soirée qui me fait revivre les années 60 et les années 70 au Maroc. C'est des chansons qui datent quand même de cette époque-là et qui sont magnifiques et qui sont dans la mémoire de toutes les femmes et les hommes marocains qui sont nés dans cette période-là, mais aussi dans les générations qui sont venues par la suite. Parce qu'il y avait de la création, il y avait une recherche aussi dans les mots. Donc c'est des chansons d'amour. C'est des chansons de la vie, c'est des chansons aussi qui donnent l'espoir. C'est pour cela qu'ils restent toujours vivantes. Et tout le monde, même les générations, maintenant la troisième ou quatrième génération, elles adorent ces chansons. C'est comme des poèmes. C'est comme des poèmes et voilà, on est très heureux
quand j'ai entendu qu'il y a une soirée comme celle-là qui est organisée par l'associatif bruxellois, ben, tout de suite je dis ben, j'y vais, je vais assister parce que ça vaut la peine, on passe à un moment extraordinaire. Marvel.